Bonjour, je suis Laurent Rouillat, formateur informatique. Je vais vous présenter aujourd'hui un épisode consacré aux fonctions de base de la messagerie Gmail. Alors, à tout de suite. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est de lancer votre navigateur Internet, soit Internet Explorer, Mozilla ou Google Chrome. Hein, donc, pour les utilisateurs de Windows 8, soit vous venez sur l'interface ici Google, ou alors plus simple aujourd'hui, vous venez directement sur Internet Explorer. Donc on va cliquer sur Internet Explorer. Et donc là, on arrive sur Google. Si vous n'êtes pas directement sur Google, vous allez taper dans la barre d'adresse ici http://www.google.fr. Et là, vous retrouvez comme moi. Ici. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de se connecter à notre compte. Sur ma chaîne, vous pouvez retrouver un tutoriel consacré à la création d'un compte Gmail. Hein, donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc là, on va se connecter. Donc, soit on vient sur connexion ici directement, ou on peut ici venir directement sur Gmail. Donc on vient sur Gmail et on va rentrer notre nom d'utilisateur. Donc je vais rentrer mon nom d'utilisateur. Ensuite, dessous, je vais rentrer mon mot de passe. Alors, je ne vais pas vous le dire. Et là, je vais faire. Donc là, si vous utilisez un ordinateur avec plusieurs personnes, je vous conseille de cliquer sur décocher rester connecté. Et là, on va faire connexion. Donc là, il est en train de charger ma messagerie. Donc là, nous nous retrouvons sur l'accueil de la messagerie. Donc première chose, hein, donc vous voyez ici nouveau message. On retrouvera notre boîte de réception, les messages suivis, importants, messages envoyés et les brouillons. Et puis vous pourrez classer par dossier éventuellement. Autre chose. Très important, vous avez votre message principal. Il y a aussi les réseaux sociaux. Hein, donc, si vous allez sur Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux, hein, vous pouvez recevoir des messages. Et ici, hein, c'est les publicités de Google. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est principal et on va venir créer un nouveau message. Donc important aussi, la fenêtre ici, vous avez une petite flèche ici. Hein, vous voyez cette petite flèche. Donc si j'appuie dessus, ça va me mettre mon écran en plein écran. Si je veux repasser, je rappuie sur la petite flèche. Alors, dans la partie A ici, hein, vous voyez avec ma flèche. C'est ici qu'on va saisir l'adresse de notre correspondant. Donc une adresse internet est toujours en minuscule et jamais d'espace, quelles que soient les messageries utilisées. Hein. Vous ne mettrez non plus jamais d'accent, hein. Pas de et, pas de et, pas de ponctuation, point d'interrogation. Hein, donc tout ce qui est courant, vous pouvez utiliser tout ce qui est avec des accents à proscrire. Donc, exemple, hein, donc on va prendre un exemple ici, on va mettre par exemple Dupont Pascal. Donc je vais écrire Dupont.Pascal. Alors, le arrobase, je vais revenir dans un instant. Hein, donc, arrobase orange.fr. Donc, voilà une adresse type de messagerie.
Alors, le fameux AltGR, comment on l'obtient? Donc, le... Pardon. Donc, comment on obtient le fameux arrobase, hein? Donc, on va l'obtenir avec les fonctions AltGR plus le A, qui nous fait obtenir ce fameux arrobase qu'on retrouve dans toutes les adresses Internet. Donc, on revient à notre message. Donc, je vais rouvrir en grand, comme je vous ai appris. Et ici, on va mettre ce qu'on appelle l'objet de notre message. Hein, donc, on peut, hein, selon ce qu'on a envie de faire, taper, par exemple, ici, envoi de photos. Ensuite, ici, on va trouver le corps du message et c'est ici qu'on va taper le texte. Hein. Par exemple, bonjour. Marc. Je t'expédie les photos de notre séjour en Angleterre. Alors, vous voyez, hein, il m'a souligné en rouge, hein, j'ai fait une faute, j'ai oublié de mettre mon accent. Donc là, je peux faire un clic droit et je fais expédier. Mais on reverra ça ultérieurement. Donc maintenant, si je veux envoyer mon message, je vais venir ici sur envoyer. Voilà, mon message est envoyé. Pour vérifier que mon message a bien été envoyé, je vais venir sur message envoyé. Et ici, j'ai bien envoi de photos. D'accord? Donc là, maintenant, je vais vous apprendre à regarder un message et à lui à répondre à la personne. Donc là, on revient dans boîte de réception. Et là, hein, j'ai un message de FLH Informatique, sortie promenade. Donc là, je clique dessus sur le message. Et hein, alors il m'écrit, est-ce que nous organisons dimanche prochain une sortie sur l'île de Groix? Rendez-vous, hein, bonne semaine. Donc si je veux répondre à la personne, ici je vais cliquer soit sur répondre, ici répondre, ou ici sur la petite flèche répondre. Donc là je clique sur répondre, une petite fenêtre apparaît, et je dis c'est OK pour moi par exemple. À dimanche. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. Donc là, je peux voir que j'ai envoyé un message à boîte de réception, sortie promenade. Hein, et on a le résumé de ce que j'ai dit. Alors, dans un prochain tutoriel, hein, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, hein, nous verrons comment envoyer des pièces jointes. Hein, photos, documents, musique, hein, mais aussi l'envoyer à plusieurs correspondants à la fois. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me faire quelques remarques sur ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant ci-dessous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur j'aime. À bientôt pour un nouveau épisode.